penser, se composer une opinion, attendre, être tendre intérieurement, comme un lac tranquille s'étendre, s'entendre avec la présence. Face au mur, entendre le silence de pierre, écouter le monde à l'intérieur de soi, lancer les mots, lancer les cailloux dans un lac pour sonder le fond profond de fondre avec le fond. Le théâtre, la passion de la pensée incorporée dans un espace, dans l'espace. Ouvre un passage à l'intérieur des mots dans la nuit silencieuse. Pensée passe. Nous sommes réunis à l'intérieur des mots, privés de la langue. L'univers parle. L'univers parle. Pour connaître un homme, voyez les moyens qu'il emploie. Observez ce qu'il recherche, examinez ce en quoi il met son bonheur et comprendre son comportement, son caractère.
terre. Le vide d'un jour ne sera jamais rempli, le regret d'un jour dure toujours. Ah. Si l'homme ne voit pas, le ciel vous regarde, l'avenir vous voit, la terre vous porte. Avec l'avenir vous attend. Le passé vous pousse en avant ou en arrière, à côté, à gauche, à droite. Mais avance, avance dans la voie de l'équilibre, se trouvera en milieu du chemin. Juste milieu, juste mesure, être juste, équilibre et qui libre de faire quoi que ce soit. On ne saura les bienfaits du présent quand aujourd'hui devient demain. L'homme de bien ne demande rien qu'à lui-même. L'homme de peu demande tout aux autres. Ce que vous faites à autrui vous sera rendu. Aha, lorsqu'on tombe, ce n'est pas le pied qui a tort, mais qui cache ses fautes, qui cache ses fautes, on veut encore faire, car un morceau de viande corrompu, avarié, suffit à gâcher le bouillon de toute une marmite. Thank you.
celui qui est à terre ne tombera pas plus bas. Ouais, sauf s'il creuse lui-même leur trou. La pacache, l'hameçon, le profit contient le péril. Les excès tuent plus sûrement que les épées. Le tranchant aigu d'une lame taille le bois. Tranchant aigu d'une parole.